le setter irlandais, chien au long poil rouge flamboyant et brillant. Le setter irlandais est un chien qui ne passe pas inaperçu. Avec sa robe flamboyante, son corps athlétique et son allure noble, il présente aussi un caractère aussi énergique qu'affectueux. Chien d'arrêt, il a besoin de se dépenser. Mais c'est aussi un formidable chien de compagnie joyeux et intelligent. Le setter irlandais en bref, autre nom, setter irlandais rouge et blanc, setter irlandais rouge, Irish Red Setter, Irish Red and White Setter, espérance de vie, 12 à 14 ans, poids, de 18 à 23 kg pour la femelle et de 20 à 25 kg pour le mâle, taille, de 55 à 62 cm pour la femelle et de 58 à 67 cm pour le mâle, silhouette, médioligne, poil, long et fin, robe, rouge ou bicolore, blanc et rouge, caractère, énergique, intelligent, joyeux, affectueux, origine, Irlande, type, Brachoïde, groupe, 7, chien d'arrêt. Le setter irlandais est un magnifique chien, plutôt de grande taille. Il en existe deux grandes variétés, le setter irlandais rouge, à la jolie robe couleur rouge lisse et brillante, et le setter irlandais rouge et blanc, bicolore comme son nom l'indique. Pour ces deux variétés, le poil est fin et relativement long, notamment sur le ventre où il forme des sortes de franges. Ce chien a une allure fière et noble très caractéristique. Son corps est athlétique et dégage une certaine puissance. La tête du setter irlandais est reconnaissable avec son museau assez long et ses arcades sourcilières prononcées. Ses yeux sont ovales, de couleur marron, tandis que ses oreilles de taille moyenne sont pendantes et recouvertes de franges de poils. Les origines du setter irlandais ne sont pas très bien connues. On pense qu'elles sont les mêmes que celles de son cousin le setter anglais. Leur ancêtre commun descendrait lui-même de l'ancien épagneul, un braque d'écailles. On trouve des traces du setter irlandais dès le 18e siècle. Cette race a été développée en Irlande. Le setter irlandais est un chien d'arrêt doté d'un odorat très puissant et il est très rapide à la chasse. En tant qu'animal de compagnie, c'est un chien aux nombreuses qualités, débordant d'énergie. Il est intelligent, joyeux, doux et affectueux. Le setter irlandais est aussi un chien très fidèle qui s'adapte à toutes les familles à partir du moment où notamment on lui permet de se dépenser physiquement. Un maître sportif lui convient parfaitement. Il apprécie également la présence des enfants. Comme la plupart des chiens de chasse, le setter irlandais peut se montrer têtu. C'est pourquoi une éducation ferme dès son plus jeune âge est recommandée. Attention toutefois, c'est un chien très sensible facilement impressionné par trop de bruit ou des paroles violentes. Comment prendre soin de son setter irlandais? Ses besoins, à l'origine chien de chasse, le setter irlandais a besoin de beaucoup d'exercice. Ce n'est pas un chien d'intérieur. Il a besoin de courir et le plus souvent possible. Son superbe poil ne demande pas un entretien très poussé. Pour lui garder sa brillance et éviter les nœuds, il suffit de le brosser au minimum une fois par semaine, un peu plus pendant la période de mue. L'alimentation du setter irlandais. Le régime alimentaire du setter irlandais n'est pas compliqué. Ce n'est pas un chien difficile. Son alimentation doit, comme tous les chiens, être diversifié et bien équilibré en protéines, en vitamines, en minéraux et en éléments nutritifs. Pour ce genre de chien actif et fougueux, il est recommandé de lui donner une éducation ferme, mais sans rapport de force. De manière globale, le setter irlandais rouge et le setter irlandais rouge et blanc ont un certain côté indépendant et le dressage peut demander plus d'efforts.
Néanmoins, les enseignements une fois acquis ne disparaissent jamais. Le setter irlandais rouge et le setter irlandais rouge et blanc s'adaptent à toute situation familiale à condition d'être disponibles et de pouvoir leur proposer suffisamment d'exercices au quotidien. C'est d'ailleurs à cette condition qu'ils peuvent vivre en ville, voire en appartement, non conseillé, même s'ils seront toujours plus à l'aise dans une maison avec jardin clôturé. Le setter irlandais ne connaît pas de problème de santé particulier. Cependant, comme tous les grands chiens, il peut souffrir de torsions d'estomac. Il convient donc de bien respecter son rythme de digestion et de ne pas lui faire faire d'efforts physiques intenses avant et après ses repas. Le setter irlandais peut aussi être sujet à l'obésité s'il ne pratique pas assez d'activité physique. Les setters irlandais sont des chiens robustes. Ils peuvent toutefois présenter des prédispositions à certaines maladies comme les torsions de l'estomac. Il peut être aussi sujet à de l'obésité si son train de vie ne lui offre pas assez d'exercice. Les setters irlandais étant des chiens de chasse par essence, ils ne peuvent se contenter d'activités modérées. Ils ont besoin de beaucoup d'exercices et de longues promenades quotidiennes pour leur équilibre physique et psychique. Le prix d'un chiot setter irlandais va dépendre du sexe, du pedigree des parents, de la conformité aux standards de la race, etc. Prix d'un mâle setter irlandais, 450 à 900 euros. Prix d'une femelle setter irlandais, 500 à 1000 euros. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Thank you.